Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 3 sur Batman Arkham Knight. Dans la dernière vidéo, eh bien, nous avions pour mission d'alimenter eh bien, des relais pour pouvoir localiser l'épouvantail. Pour le moment, la Batmobile est en train d'alimenter un des relais, mais on doit encore finir le boulot. Sauf que, eh bien, on a un otage pris par trois ennemis, hein, vous le voyez. On a débloqué une nouvelle tenue, enfin c'est une tenue dans l'histoire, hein, qui a été débloquée. On est plus résistant, niveau rapant on va plus vite, enfin on est censé être un peu plus beau gosse. Voilà. On a eu des petits défis à faire pour eh bien, apprendre un petit peu les nouvelles capacités. La Batmobile alimente l'antenne. Je ne peux pas l'utiliser pour le moment. Les nouvelles capacités de la tenue, voilà. On a gagné des points de. Comment dirais-je? Des points d'amélioration que nous avions utilisés. Et eh bien, on va aller se faire les derniers ennemis. Trois hommes du armés, coup. un otage. On va voir ce que vaut vraiment cette tenue. Qu'est-ce que c'était que ça? Il a fait des remparts? Qu'est-ce qui se passe? La ferme! Il essaie de nous débusquer! Tiens, on peut entrer dedans. La nouvelle tenue me permet d'être plus rapide et plus mobile. En m'approchant sans être repéré, je peux leur sauter dessus. Et dans la panique, neutraliser les trois avant qu'ils puissent réagir. Et vous allez voir ça. La ça Batmobile va être... alimente l'antenne. Je ne peux pas l'utiliser pour le moment. Ah, il faut être vraiment rapide. Souvenez-vous. Bon là c'était. Ça va. On s'est pas viandé, donc c'est très très bien. Oui, la vache, sauver. Je savais que vous étiez doué, mais ces trois hommes armés, c'était du rapide. Spectaculaire. Vous êtes hors de danger. Quelqu'un va venir vous chercher. Merci. Mettez le grappin sur l'épouvantail. Cette pourriture doit être arrêtée. Ok. Oui. Pas encore. Je dois d'abord atteindre la console. Ah oui, d'accord. Faut mettre. Oui. Faut alimenter celle-là. Oracle, j'ai attaché le relais à l'antenne micro-ondes. Parfait. J'ai passé un coup de fil anonyme au GCPD. Ils envoient quelqu'un récupérer l'otage. Allez, allez, connecte-toi. Joli costume, au fait. Ok. Les deux antennes sont bien en ligne. Où se cache l'épouvantail? Bah. Ah oui, non, l'autre il a. Il a ouvert la porte, ok. Peut-être que lui veut nous renseigner, non? Il faut que j'utilise les deux antennes pour identifier les fréquences radio et micro-ondes dans Gotham. Si je réussis à trouver l'endroit exact où les deux fréquences se rejoignent, je saurai où l'épouvantail fabrique sa toxine. Alors faire fait pivoter le récepteur radio, fait pivoter le récepteur micro-ondes. Je comprends pas tout là. Les fréquences des micro-ondes et des ondes radio pointent vers Ace Chemicals. C'est là que l'épouvantail produit sa toxine. Ah d'accord, donc en fait, là, c'était vraiment du... Jim, la toxine provient d'Ace Chemicals. C'est là-bas qu'on trouve l'épouvantail. Impossible. J'ai posté toute une équipe sur place dès le début de l'évacuation, comme vous l'aviez demandé. Crane les a sûrement corrompus. Ou pire encore. Je suis dans le secteur, je rassemble mes hommes et j'arrive. Restez où vous êtes et attendez-moi, Jim. J'arrive. Kent, prépare.
pas un gros coup, pourquoi il s'allierait aux pingouins sinon? La fréquence de la peur. Très bien. Tu me croyais mort, n'est-ce pas, Batman? Disparu dans les eaux sous Arkham. Mais comme toutes les terreurs immergées et oubliées, j'ai fini par ressurgir. Ah, je trouve qu'on, quand même qu'on se dépasse vraiment plus vite. Les parents du pingouin étaient des aristos de Gotham. Il a chopé l'accent à l'école. Enfin, s'il ne fait pas semblant. Des nouvelles de l'intérieur? Non, rien. On pense qu'il reste une petite équipe là-dedans, mais ils ne répondent pas et le bâtiment est condamné. S'ils sont encore en vie, je les trouverai. Ils devraient pouvoir nous renseigner sur l'épouvantail. Nom d'un chien. À vous. Restez ici, je vais aller voir ce qui se passe. Empêcher les pointeurs de faire exploser la bombe de toxine de terreur, très très bien. Alors quelque chose me dit que ce gars-là, ça doit être Deathstroke, je sais pas pourquoi, je le sens bien comme ça. On retrouve les ouvriers. Ok. Soit cette personne, elle a levé une armée. Il me faut un nom. On a quelque chose qui vient d'une équipe d'opérations clandestines en mission au Venezuela. Ils ont découvert un complexe d'entraînement secret qui héberge des soldats portant le même insigne. Concernant leur commandant, c'est le flou total. Les différentes sources ne s'accordent que sur son nom. Le Chevalier d'Arkham. Le Chevalier d'Arkham. Piratez leur réseau. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Il y a autre chose ? Une équipe d'ouvriers d'Ace Chemicals est restée sur le site. Ils pourront nous aider à localiser la bombe de l'épouvantail. Je dois les trouver. Chaque ouvrier porte une puce d'identification. Si j'accède à leur dossier personnel, je peux les localiser. Il y a un terminal de sécurité dans une cabine pas loin. Tentez le coup. Ok, utilisez le mode détection pour identifier les menaces éventuelles. Très bien. Il y a 5 soldats, tous armés et dangereux. Avant de pouvoir accéder au terminal, je vais devoir les neutraliser. Écoutez, l'épouvantail me dit que la réaction est presque terminée. Il faut d'abord que j'examine le complexe. Le final de ce bâtiment débutera dans 30 minutes. Ok, donc on peut pas, comment dirais-je, on peut pas appeler pour le moment la Batmobile. Il y a ces tanks-là qui vont poser problème. Je suppose qu'en plus on ne peut que les détruire avec la Batmobile. Donc, ah bah elle est juste là en plus la Batmobile. Donc, comment faire? Il faut examiner... Je dois d'abord examiner le complexe. Ensuite, je reviendrai pour la voiture. Ah, il faut examiner le complexe, très bien. Ah. Ça a commencé. On dirait
dirais bien, oui. Ah, c'est la partie que je préfère. Prendre les gens par surprise. Avec les hélicos qui envahissent l'horizon et qui viennent réduire la cible en charpie. Alors pourquoi t'es pas dans l'un des hélicos? Ah oui, ça c'est pas mal. J'ai mal digéré un truc l'autre soir. C'est ces foutues rations. Je me sens encore un peu mal. C'est dommage. Ouais, c'est l'opération du siècle et je suis coincé sous la pluie dans une usine chimique à lutter pour pas vomir. D'après les opérations, Batman pourrait venir par ici. On pourra peut-être s'amuser et on serait les gars qui vont tuer. Dépend. On le garde en vie si on a besoin de son badge. Sinon, on le descend. Tu es. Très bien. Vous avez pas l'impression qu'on nous a posté un peu trop près de la zone d'explosion? Je veux dire, les types sous terre, ils sont à l'abri. Mais nous, c'est pas un masque à gaz qui va nous protéger. Accéder au terminal sans risque. Très bien. On a un nouveau niveau. Boost de rapin. Ah, ça c'est pour gagner un boost. Ok. Ah, ça peut être pas mal ça. Multi-élimination par intimidation. Ça peut être sympa. On va la garder pour le moment. Voyons si Oracle avait raison. Connexion aux données activées. Décryptage des données. Ces protocoles de sécurité ont besoin d'être renforcés. Ok, 5 personnes à trouver. Oracle, j'ai obtenu les identifiants. Si je prends de la hauteur, je pourrais utiliser le bat scanner pour trouver les ouvriers. Ok, je vous ai indiqué la structure la plus haute de la zone. Attention à la chute. C'est Batman! Oh, c'est beau ça. Ok, bah je pensais que ça allait être un peu plus compliqué, mais non. Ok. Très très bien. Si j'utilise la grue maintenant, les tanks seront alertés. Ah ouais, sécuriser la zone pour... Il faut d'abord que j'examine le complexe. D'accord, donc en gros, ça sera pour après, quoi, la boîte mobile. C'est parfait. Je peux utiliser le bat scanner pour chercher les employés. J'ai pu intercepter des communications entre l'épouvantail et son chevalier d'Arkham. Je vous les transmets. Je l'avais dans ma vie de mire. Je n'aurais pu en finir. Nous ne l'avons pas encore brisé. Ça viendra. Non, j'ai assez attendu. Batman va mourir.
ce soir. Pourquoi tu le détestes autant? Tu ne pourrais pas comprendre. Tu auras bientôt ta revanche. Il vit sa dernière nuit. On en a deux. Je m'en assurerai. Vous savez qui est ce chevalier d'Arkham? On dirait que vous avez un passif avec lui. Je me suis fait beaucoup d'ennemis. De 4. Ok. On les a ça tous. Marche. Hein. Il y a 5 marqueurs d'identification qui s'affichent dans le bâtiment. Espérons qu'ils soient encore en vie. Ouais, le problème, c'est qu'il y a les tanks, frère. Je dois d'abord examiner le complexe. Ensuite, je reviendrai pour la voiture. Il faut d'abord que j'examine le complexe. Ah bah non, si on passe par les toits. Ok. Ah, bah je crois qu'il y en a un. Il est pas en bonne forme. Oracle, ils ont tué l'un des ouvriers. Bon sang, il faut qu'on les arrête. Au fait, j'ai infiltré le réseau de communication de la milice. Vous pouvez désormais écouter librement toutes leurs transmissions radio. Merci, Oracle. J'ai trouvé un moyen de faire entrer la Batmobile dans l'enceinte. Ils vont payer pour ça. Jusqu'au dernier. Ouvrir les portes principales. Okay. La porte est ouverte. Je peux faire entrer la voiture. La porte principale est ouverte. Soyez prêts. Un tank à $1 milliard se dirige vers vous. On a déployé un Diamondback dans la cour principale, chef. On l'aura. Il faut reconnaître qu'ils sont optimistes. Votre canon 60 mm va perforer ces unités blindées, mais il faudra quelques tirs directs pour les détruire. C'est le blindage, comme vous disiez. Ce qu'ils cherchent, c'est les otages. Limitez les conversations radio au minimum, compris? Ils vous écoutent. Je suis sûr que tu nous écoutes, pas vrai, Batman? Alors écoute un peu ça. À toutes les unités implantées à Gotham, l'opération Sauveur a commencé. Vous connaissez tous votre rôle. Alors déployez-vous dans cette foutue ville et bouffez-la. Je veux que nos barbants serrent fermement la gorge de Gotham dans une heure. Ah, pas mal ça! Allez, on ressort par la porte normalement.
Oh, c'est sympa. Oh. D'accord. J'ai pas forcément fait gaffe. Détachez-moi. Mmh. Comment faire pour te détacher? Dieu merci, vous êtes là. Ça y est, go, go, go! Dispersion! Oh, c'est quoi ce délire? Ah! Notre copain? Gardez-le dans votre viseur. S'il ne fait ne serait-ce qu'un geste vers la sortie. Ouvrez le feu. Ah, et évitez le bat-symbole. C'est un petit piège. C'est là que son armure est la plus résistante. Visez d'abord les points faibles au niveau des épaules. Concentrez vos tirs sur les jointures du blindage. S'il vous plaît. Vous avez un problème? Laisse-le en dehors de ça. Tu défends toujours les gens faibles et sans défense. C'est ce que j'aime chez toi. T'es prévisible. C'est pour ça qu'on va gagner. En anticipant chacun de tes mouvements. Nous savons comment tu penses. Tu sais ce que je suis en train de penser, là. Bien sûr, tu te demandes. Mais qui c'est ce mec-là? Non. J'essaie juste de décider lequel d'entre vous je vais démolir en premier. Pour que ce soit bien clair entre nous, sache que j'ai vraiment, vraiment envie de te tuer. Mais d'abord, on va te faire souffrir. On tient la cible. Tu n'as qu'un mot à dire et ce sera terminé. Gotham sauvage. Tu ne comprends pas? Avec lui, il n'y a pas de seconde chance. Donnez-moi le feu vert et je tue Starry. Tu le regretteras. Pas mal comme échappatoire là. Celui qui donnait les ordres. On aurait dit qu'il vous connaissait. Vous ne craignez rien. Vous savez pas tout, Batman. L'épouvantail. Il était. Calmez-vous et dites-moi ce que vous savez. Ça fait des heures qu'ils contrôlent l'usine. Ils ont rentré des camions, des armes, des soldats et aussi des cargaisons de produits dangereux. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Il produit sa toxine à très grande échelle. C'est grave. Très grave. On parle d'un nuage de toxine qui pourrait entièrement recouvrir la côte Est. Où je peux trouver l'épouvantail? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il va bientôt passer à l'action. Et qu'il est soutenu par toute une armée. On est fichu, Batman. Je vais l'arrêter. Mais je vais d'abord vous faire sortir d'ici. Attendez à la Batmobile. Vous avez trouvé l'épouvantail? Pas encore. C'est pire que prévu. Comment ça pourrait être pire? Il construit une bombe assez puissante pour envelopper toute la côte Est dans sa toxine de terreur.
Partez d'ici avec vos hommes. Rentrez au GCPD et verrouillez le bâtiment. Personne ne doit sortir. Je vais dire à mes hommes de se mettre à l'abri, mais je ne bougerai pas. Amenez-moi tous ceux que vous trouverez. Jim, non, c'est trop dangereux. Vous l'arrêterez. Je vous fais confiance. Ok. Donc on a d'autres... Tenez bon, je vous ramène au commissaire Gordon. Ah attends, il faut le ramener sur le pont, mec. Ah ouais, d'accord. Et pourquoi on les prend pas tous d'un coup et on les sauve après, quoi? Maître Bruce, les tanks de la milice sont partout dans la ville. Gotham est occupé. Si je n'arrête pas la bombe de l'épouvantail, il n'y aura plus de ville à sauver. Ah, ah. C'est pas encore fini, Jim. Je retourne chercher les autres. Ok, donc il en reste encore trois du coup. Certainement un truc à faire avec ce truc là. D'accord. Peut-être que... Peut-être que du coup on peut pas forcément y aller avec la Batmobile, je sais pas. Ça va pas être... Ça va pas être du gâteau. À moins que... C'est d'entrer. Là. Vas-y. Non, 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 non,
On est un monstre. On est un monstre. j'ai l'explosif. Très bien. Ah, c'est L3 max. Très très bien. Il faut que je trouve un moyen de couper le gaz. Il est toxique. Bah, tout simplement, on va utiliser. Ah, ok. Je pensais qu'on pouvait utiliser quelque chose. Niveau supérieur. On garde pour le moment. Tyrolienne, Madrif. Ah! Putain, la vue. Ah, la vue inverse. C'est la vue inversée, c'est j'ai horreur de ça. Option du jeu. Voilà. Là, c'est mieux. Oh, c'est quoi tout ça là? Ça a inversé. Oh, ça va être chiant. Parce que ça inverse la vue avec le batarang télécommandé, mais pas. Comment dirais-je? Mais pas avec la vue de la caméra. C'est assez bizarre. Du coup. Encore 3. Comment t'es censé... En fait, moi, ce qui me plairait bien, c'est d'arriver à ouvrir, en fait, le conduit, là. C'est ça, c'est que faut arriver à être ici. Et comment tu fais? Y a pas une histoire de plateforme hein? Ça, tu peux. Si, tu peux l'avoir. Ah, voilà. Qu'est-ce que
Ok. Et la voiture, elle est où? Excusez-moi. Alors. Alors, je crois que du coup, c'est pas encore réglé. Ah, voilà. Ok. Oh, t'es sérieux? Pourquoi ça a pas fonctionné là? Oh, j'y crois pas, elle est pas assez assez haute. On va y arriver les amis, on va y arriver. On va... Oh là là. Vas-y, hé. Hey. Si les commandes commencent à me prendre la tête, ça va pas aller. Alors là, si elle est pas assez haute, c'est qu'il y a vraiment, vraiment un problème. Hein. J'ai peut-être mis un peu trop du coup. Oh, j'ai mis trop. Oh, mais c'est pas vrai, mais sérieusement. Mais c'est, ça se joue à un pôle du cul ou c'est comment là? Parce que ah, désolé hein, pour ce petit contretemps, on va dire, parce que là. Non, 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 mais me dis pas. Non, mais c'est du troll, c'est pas possible. Non, mais c'est du troll, sérieusement. Non, c'est un coup c'est trop haut, un coup c'est faut l'avancer du truc. Non. Oh là là. Mais n'importe quoi. Mais
Ah, ça commence à... Ah, ça commence à me saouler. Allez, vas-y. Putain, c'est pas réactif pour un sou. Déplacer la roue. Quand même, nous y arrivons, et c'est ici, les amis, que nous allons nous arrêter. Voilà, on ira sauver les trois derniers employés dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré voilà les petits trolls avec cette voiture, parce que clairement, hein, la maniabilité avec la voiture, c'est pas encore ça, voilà, faut vraiment prendre en compte la vitesse, etc., la propulsion, etc. C'est vraiment pas évident quand on n'a pas l'habitude. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Et bien sûr, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter, et je vous dis à très très bientôt les amis. Ciao, ciao.